Mais me direz-vous, pourquoi sommes-nous ici ce soir, en juillet 2022, soit près de 50 ans après sa mort, à nous intéresser à cette affaire? J'y vois plusieurs raisons, dont la principale tient à l'histoire avec un grand H, qui mène inexorablement son travail. Pour les plus âgés d'entre nous, cette affaire aura marqué les années 70 durablement, et ce film va les replonger dans cette période durant laquelle notre pays vivait sous le régime du parti unique, avec une presse, une radio, une télévision publique sous contrôle, et surtout, ou être dans l'opposition, exposer les militants, qu'ils soient du PRA Sénégal, du PAI, de Majmou Diop, en passant par les partisans de Cheikhanta, à des représailles de toutes sortes. Aucune contestation politique n'était alors autorisée. Les militants de l'opposition n'avaient pour seul moyen de lutte que les tracts, les réunions clandestines, l'agitation universitaire ou le militantisme syndical. Une autre raison consécutive de ce qui précède, c'est que l'affaire Omar Blondin Diop peut être probablement considérée comme l'un des facteurs qui aura accéléré l'ouverture démocratique et l'avancée des libertés publiques au Sénégal. Enfin et surtout, l'énigme de cette mort par pendaison, entre guillemets, n'étant pas encore résolue par la justice, personne, je crois, ne s'est jamais contenté, encore moins satisfait, de la version officielle du suicide. Or, la vérité, cela demande et prend du temps, tandis que nous, les contemporains, voulons voir tout de suite de notre vivant l'aboutissement de cette quête de vérité. Dans ce long et inlassable travail de l'histoire à la recherche de la vérité des faits, un homme aura joué un rôle discret mais souvent méconnu. Il s'agit du juge Moustapha Touré, qui fut le premier magistrat sénégalais de souche à être nommé doyen des juges d'instruction du Sénégal depuis l'indépendance. Doyen des juges d'instruction, auquel fut confiée la conduite des premières investigations suite à la plainte de notre père pour homicide par coups et blessures volontaires ayant conduit à la mort sans l'intention de la donner, entre guillemets. Malheureusement, le juge Touré vient de nous quitter le 23 juin dernier, et n'eût été sa persévérance, son courage personnel face aux pressions de toutes parts, cette affaire aurait été classée sans suite. C'est pourquoi j'ai tenu à parler de lui, à décrire le rôle qu'il a joué, qui a été essentiel dans cette bataille. Effectivement, le juge Touré, en quelques 8 mois d'investigation à peine et d'audition, aura réuni suffisamment d'éléments concordant pour aboutir à la conclusion que le détenu Omar Diop ne s'est pas suicidé, encore moins par pendaison, et que ses geôliers ont maladroitement tenté de maquiller sa mort en pendaison, ce qui était matériellement impossible vu la configuration des lieux. Il finira par rassembler également les constatations médicales de l'infirmier chef de Gorée, signalant dans son registre du jour, entre guillemets, l'examen d'un détenu inanimé du nom de Blondin et prescrivant son transfert d'urgence vers un hôpital de Dakar, fermé les guillemets. C'est fort de l'ensemble de ces éléments que le juge décidera d'inculper plusieurs gardiens de la prison de Gorée pour coups et blessures. Dans les jours qui suivirent cette inculpation, le juge Touré sera décisif du dossier pour être nommé président du tribunal du travail du Sénégal. Son successeur se déclarera incompétent et classera l'affaire sans suite. Quant à notre père, il sera condamné pour propagation de fausses nouvelles. Aujourd'hui, notre famille n'aura de cesse que lorsque la justice sénégalaise acceptera de rouvrir la procédure sur la base des éléments définitifs recueillis par feu le juge Touré, augmenté d'éléments nouveaux révélés lors de la commémoration du 40e anniversaire de la mort d'Omar en 2013. Puis, en 2014, lors du 41e anniversaire de sa mort, autour et à l'invitation du président Ibrahima Boubacar Keïta du Mali, on nous aura révélé qu'il avait été torturé au Mali
par le chef de la police malienne, le fameux Tiékéro Bagayogo. Or, les faits de torture étant imprescriptibles, il sera désormais impossible de classer l'affaire Omar Blondin Diop. Mais à notre grande satisfaction, cette affaire n'est plus l'exclusivité des prétoires et des cabinets d'avocats. Elle est devenue l'affaire de tous, ici au Sénégal, puis en Afrique et en Europe, notamment en France. Ce mouvement d'opinion s'amplifie en faveur d'une reprise de la procédure afin d'explorer d'autres pistes de recherche de la vérité. Et à cet égard, le travail cinématographique qui nous réunit ce soir en est un bel exemple, d'autant qu'il est mené par des jeunes gens qui n'étaient pas adultes au moment des faits et qui ont découvert cette information par la presse et ont réussi à en faire une œuvre cinématographique. Donc merci encore par avance de votre travail et de votre contribution documentée au dévoilement de la vérité cachée. Mesdames, Messieurs, voilà le bref propos que je tenais à vous délivrer au nom de la famille, en vous remerciant d'avoir fait l'effort d'être là et en étant sûr que vous êtes tous comme nous, impatients que cette affaire se dénoue et qu'on sache enfin ce qui s'est passé ce 11 mai 73 dans la prison de Gorée. Merci de votre attention. Bonjour tout le monde. Je suis J.D. Jigo, je suis le producteur et le réalisateur de ce documentaire. Je ne vais pas être très long dans mon propos, car en tant que réalisateur, je considère que mes films doivent et peuvent parler à ma place. Je tiens à remercier la direction de la cinématographie, le ministère de la Culture et la direction générale du théâtre Daniel Sorano de nous avoir permis d'organiser cette projection. Je tiens aussi à rendre hommage au juge Moustapha Touré, qui était le doyen des juges d'instruction à l'époque de l'affaire dite affaire Blondin Diop, et qui avant sa retraite était le président du Sénat. Pendant très longtemps, il a toujours refusé de parler de cette affaire. Et des dizaines de journalistes et des dizaines de réalisateurs avant moi l'ont approché et ont toujours essuyé un non catégorique de sa part. Je suis quand même allé le voir, sans beaucoup d'espoir, mais avec la ferme conviction que je pourrais le convaincre de parler. Effectivement, sa première réponse a été un non catégorique. Mais je sentais qu'il était intrigué par quelque chose. Et au moment où je me levais pour entrer, il m'a demandé, « Jeune homme, tu as quel âge ?» Je lui ai répondu, « 27 ans. » Il m'a dit, « Les jeunes de 27 ans de votre génération ne s'intéressent pas à ce genre d'affaires. Pourquoi ça t'intéresse ?» Je lui ai dit que c'était parce que c'était l'affaire d'un autre jeune de 27 ans qui a été tué dans des conditions occultes dans une prison en 1973. Et donc, par devoir de mémoire et par devoir historique, on se devait, nous, de connaître la vérité. La réponse l'a fait doucement sourire, mais m'a répondu, « Ok, mais je ne parle pas aux journalistes. » J'ai dit, « Ça tombe bien, je ne suis pas journaliste, je suis réalisateur, je suis artiste. » Et il a souri, il m'a dit, je vais te rappeler et te donner ma réponse définitive. » Il m'a rappelé une semaine plus tard pour me donner son accord. Et on a fait ce témoignage que vous allez voir, qui pour moi est un témoignage historique et qui pourrait changer les choses dans l'affaire Omar. Malheureusement, le juge nous a quittés il y a quelques semaines. Donc j'aimerais, avant de commencer la diffusion, faire une minute de silence en son honneur. On va se mettre de côté, comme ça on va nous voir. Merci à tous. Maintenant, place au film.